shows très érotiques, des shows glamour, des shows sensuels. Et si on est entouré de femmes, regardez-moi ça. Allez, venez les femmes danser. On a trouvé une candidate pour la Pâte TV. T'envoies tes coordonnées à la carte. Mademoiselle. Bonsoir. Cindy. Enchanté Thibaut. T'es tout en beauté, hein. Messieurs, je vous présente une future lapine. Alors je te présente, on est de l'Apsos, la Pâte TV, je pense que t'as compris. On représente la ville de Mulhouse. Dans tout ce qui est histoire culturelle, c'est une association complètement bénévole, d'accord? Et donc nous, on cherche à promouvoir cette ville parce que c'est une bonne ville au fond. Il suffit juste de la connaître et de savoir les bons endroits et les lieux où il faut aller, d'accord? Alors moi, j'ai posé deux questions. Qu'est-ce que tu penses de cette soirée? Ça va, c'est pas mal. Ah, j'aime entendre ça. Tu me le répètes? C'est pas mal. Dommage, je suis pris, hein? Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Pour ce soir, je suis célibataire. Ouais, pour toi. T'inquiète pas, c'est qu'un obstacle. Et donc continuons, demain, quel temps il va faire à ton avis? Moche. Ah, et ce soir. J'avoue. Et ce soir, quel temps il va faire? Chaud. Vous entendez les hommes? Allez, c'est fini. Bonsoir, le chat. Bon pluie. Je vais te marquer 20 ans, bon anniversaire. Ah oui, on est bien. Bonsoir, bonsoir. Vous connaissez Lapin TV, les filles? Lapin TV, vous connaissez? Et toi, tu connais Lapin TV, ma belle? C'est Lapin Crétin? Non, c'est pas Lapin Crétin. C'est une association qui promouvoit la ville de Mulhouse. Dans le monde de la nuit, dans le monde du culture, dans le monde de la culture, pardon. Dans tout ce qui est monde open. C'est clair. Je le conçois, mesdemoiselles, vous êtes plus cul que culture. Mais enfin bon, soyons pas tergiversons ce soir, hein? Je dirais. Bien les gars, vous parlez bien, ça me plaît bien. Ah non, non, non. Bonsoir messieurs, une petite interview, 30 secondes. Comment vous appelez? Benoît. Renaud. Enchanté les gars, moi c'est Thibaut de Lapin TV. Petite question, qu'est-ce que vous pensez de la météo de demain? Ça va être à chier. C'est de la merde. Et ce soir, les gars? Oh, c'est chaud! Ah oui, j'allais m'entendre ça, messieurs, j'allais m'entendre ça. Encore! C'est chaud! Wouh! L'ambiance est décalée ce soir, les gars. C'est fini, c'est calé. Montre-nous l'eau un peu plus sexy, là. Mesdames, bonsoir, on va voir un smack féminin direct. C'est parti les filles, c'est parti. Wouh, c'est chaud. Un deuxième. S'il vous plaît, pitié. We'll be right back.
alsacienne et mulhousienne. Alors c'est Lapin TV, on va te poser quelques petites questions. Je suis prêt à t'écouter. Premièrement, quel temps il va faire demain ? Il va faire un temps exécrable, mais l'important c'est d'avoir le soleil à l'intérieur du corps et d'être en chaleur, et je suis toujours en chaleur. Et ce soir, quel temps il fait-tu ? Ici, ça plaît son gaz, parce que forcément, c'est la promotion pour le salon de l'érotisme qui aura lieu le 4, 5 et 6. Donc on est là forcément pour présenter des choses très très hautes et très très chaudes, un peu comme toi, quoi. Voilà. Merci à vous, ça me touche énormément. Écoute, j'ai une dernière question à te poser. Je t'en prie. Comment fais-tu pour avoir un corps comme ça ? Je m'occupe exclusivement de mon corps parce que c'est ce qui fait toute ma vie en même temps, mais comme je suis prof de fitness, ça aide aussi un peu. Et j'aime les hommes, donc ça m'aide aussi. Un peu comme toi, quoi, si tu veux. Ou alors le caméraman, ou alors les lights, ou alors les trois à la fois. Waouh, 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 chaud. Voilà. En tout cas, je te remercie, un grand événement, et puis je te fais un gros bisou. Oh. Bonsoir, la plaisir. Staline. Elle est chaude et sexy, celle-ci. Qu'est-ce que t'as aimé ce soir ? Le show était parfait. Bah, t'as surtout aimé son cul, oui. Ah ouais. Ah. Il a un cul d'enfer, hein. Et son buste, hein. Tous les muscles et tout. Tu l'as croqué ? J'aurais bien aimé, mais bon. Il voulait pas. C'était pas possible. Pas devant tout le monde. T'as laissé ton numéro ? On sait jamais. Elle est merveilleuse, cette femme. Je suis en train de lui toucher le cul, vous imaginez pas, les globes complètement dans ma main. Ouah ! Charal, pardon, excusez-moi, c'est mon morceau de viande préféré. J'en doute pas. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée aussi à toi, Thibaut. Et voici Lapin numéro 3. Lapin Lover. Eh, c'est bien délibile, c'est une chemise que tu tiens. Ouais, quand même. On va te le mettre sur le cul, ça.